Bon, alors, fin de l'allée royale. Début de cela. On va prendre le single qui longe Londres en descendant. Après, il faudra remonter, mais c'est pas grave. Gros single qui peut être parfois très beau parce qu'il y a Londres juste à proximité. C'est joli. On va voir comment ça se passe. Allez, à gauche. Bon, ne jugez pas. Une trajectoire. On peut toujours aller plus vite. C'est clair. Mon but à moi, c'est de me faire plaisir. Et ça serait pas mal que je me gouffre pas. Bon. Il y a quelques virages en aveugle, effectivement. Si je tombe sur un ferry en face, la blague va pas durer très longtemps. Je pense qu'on risque de se faire mal. Ouais, je vais profiter. Tranquille. Est-ce que ça va rendre parce que je suis en vert teinté là. Et la luminosité est parfois limite. Je sais pas si la GoPro va faire son boulot. Mais je me suis planté. Bon, ça passe. Donc hop là. Bon, c'est pas pur descente hein, parce que quand même des whoops, des montées et la redescente, c'est principalement descente je pense. Je pense c'est même sûr, mais on remonte un petit peu quelques endroits. Là, je prends le passage safe. Là, putain, les verres teintés, c'est chaud là quand même. Je suis équipé en photochromique là. J'ai jamais testé. Ah bah voilà, il fait lourd. C'est vrai. Moi j'y vais cool. Hop.
Et là pour le coup, bon, on monte. Désolé pour les images les gars, mais moi en montée, c'est pas mon fort. Comme l'a dit un pote, essaye de faire du vélo en remontée avec une machine à laver sur le porte-bagages ou sur le dos, peu importe. Voilà, je fais 110 kg, donc forcément, les montées, c'est pas mon fort. Mais bon, profiter, on ne peut pas faire que de la montée, que de la descente, ou que du plat. Même si dans le coin j'ai du bol, on peut profiter de la forêt sans qu'il y ait trop de montées infernales. Single complet, enfin il y en a plein.